meilleure commande. Oh, du nuque à raisin. Oh, c'est juste le fait de bosser qui m'a donné faim. J'aurais préféré un tacos, là, j'étais sur un vieux dernier jour de bouillon, tu sais. Mais bon, il fallait le finir. Bon. C'est chose faite. Mais j'ai pas trop le temps de grind. Et Vous j'aime voulez pas être quelque en chose, retard quand je chef? live. Donc au moins comme ça c'est réglé. Ouais ça va, ouais, j'ai commencé. Bah en gros j'ai deux portes à murer, mais j'ai fait deux moitiés de portes, parce que tu peux pas murer trop, sinon tu tasses les parpaings du bas. Donc on va dire que j'ai fait l'équivalent de une porte sur deux. Demain je fais l'autre. Enfin demain je termine en fait les deux portes. J'ai mon cousin qui vient. Va s'arrêter avec plaisir, c'était bon. Ça, petite cacahuète. On m'a pas vu de la journée. Regardez, elle me fait trop rire. Regardez comment je la tiens et comment elle est. Petite morue, va. C'est que je te kiffe, toi. Oui. Allez, fille. On est ma claque de marché. Bon allez, je devrais parler avec les trois gangs de pillards locaux. Vous voulez quelque chose, chef? En soi, tu sais les boules, toi, c'est des vrais. Oh, les chats, ça va, ouais, j'ai pas trop de problèmes avec eux. C'est pour ça que je suis assez impatient de pouvoir me prendre un chien, parce que je me dis. Un chien. Je sais qu'il va m'accompagner partout. Ça me manque un chien. Je kiffe mes chats, hein, c'est pas le problème. Je kiffe tous les animaux de toute façon. Un chat, ça ferait plaisir. Coca-Cola Victory. Des capsules. Je crois à Rome, je pique. Ça, oui, c'est un joueur de Skyrim, ça. Ça gratte tout. Allez, on va rencontrer les gangs de pillards. Faites attention à vous, boss, parce qu'on va pas vous lâcher d'une semelle.
Hey mon Luc, comment il va? Allez, gamine, je sais bien qu'on devrait régner sur cet endroit. Pas la bullseye que Gage a ramené. On lui donne une deuxième chance. Gage sait que s'il foire ce coup, on va l'écorcher vif. Alors ferme-la et sois patiente. Étoile, gros dur, t'as rien à dire à ce sujet? Tant qu'il se met pas en travers de mon chemin, je m'en fous. Ouais, je m'en doutais. Vous deux, allez-y. Et assurez-vous que les autres reçoivent le message. Le nouveau grand Manitou, hein? Vous voulez parler à Nisha, j'imagine? C'est elle qui tient les rênes ici. Ça fait pas de mine. Vous voulez parler? Allez voir Nisha. Salut! Alors c'est vous, le petit toutou de Gage. Attention à ce que vous dites, je ne suis le toutou de personne. Vraiment? C'est Gage qui a façonné Colter, et maintenant vous voilà. J'appelle les choses par leur nom, rien de plus. Ce n'est un secret pour personne qu'on voulait la mort de Colter. Évidemment, si ça n'avait tenu qu'à moi, elle aurait été lente et douloureuse. Mais peu importe. Finissons-en avec cette discussion. Je m'appelle Nisha, je suis à la tête des disciples. Nous n'avons qu'une seule règle par ici, c'est maintenir la paix au sein de cette alliance. Sinon, moi je vois les choses de cette façon. Ce monde a cessé de se préoccuper des règles le jour où les gens ont commencé à se balancer des bombes sur la tête. Les règles ne font que nous entraver. On devrait être libre de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est ce que je me suis tué à essayer d'expliquer à Colter. Peut-être que s'il m'avait écouté, il serait pas mort. Enfin, il a quand même un peu de mérite. N'oublions pas que c'est lui qui a construit l'arène. Évidemment, au début, c'était de la merde. Aucune imagination. Mais on a un peu corsé les choses. C'était plus une promenade de santé qu'autre chose. Parce que les promenades de santé se terminent par la mort? Si Gage ne vous avait pas sauvé la peau, vous ne seriez pas là pour en parler. Espérons simplement que Gage a raison à votre sujet. Il nous a fait beaucoup de promesses pour nous faire venir ici, mais il ne les a jamais tenues. Alors, vous n'avez pas intérêt à déconner parce que j'ai eu ma dose de bobard. Je vais faire les choses à ma façon, que ça vous plaise ou non. Ah oui? Laissez-moi juste vous donner matière à réflexion avant que vous alliez n'en faire qu'à votre tête. Vous voyez, les disciples ne font jamais de menaces en l'air. On tient toujours nos promesses. On ne se laisse pas influencer par les capsules comme ces enfants gâtés obsédés par leur coiffure ou ces animaux sauvages qui ne savent pas se tenir en public. Si vous merdez, je vous tue. Et je vous raconte pas ce que je ferai à Gage. Pour lui, j'ai des projets bien plus ambitieux. Mais si vous tenez vos promesses comme un grand Manitou digne de ce nom, vous aurez notre soutien. Vous vivrez. C'est Nuka World, Luc. Je ne fais pas de promesses. Et vous allez faire ce que je vous demande. C'est déjà une amélioration par rapport à Colter. Je vais attendre de voir comment la situation évolue, pour l'instant. Mais si vous changez d'avis et que vous décidez d'être sympa, on ne manque jamais de travail ici, alors si vous voulez faire vos preuves, vous savez où me trouver. C'est ouf comment elle me parle, elle. Dingo du bologiste, ignorez-le. J'ai dit à ces allumés de rester cloîtrés dans leur camp. Le dernier est mort trop vite. Je perds la main. Ils veulent mettre des coups de pression, ils savent pas que je peux raser leur blade de poker là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus de clopes et elle a pas voulu. Je balance tous mes Fatman partout, c'est terminé, bande de Kosovars. On a des flingues, c'est vrai. Mais on préfère les lames. C'est plus marrant quand. Alors, grand Manitou. Je te montrerai où c'est Luc. Mais t'as les DLC, Luc, toi? Tu les as achetés, les DLC? C'est normal si tu les as pas vus parce que t'as pas les DLC, faut que tu les achètes. Ou que t'achètes un Season Pass. Salut. Tiens, tiens. Et j'imagine qu'on vous doit une fière chandelle pour avoir éliminé Colter. Ce type était un clown. Il nous faisait tous. Je te montrerai ce soir comment ça marche. Un clown coincé dans sa petite voiture.
Rassurons-nous en nous disant qu'il a fini par avoir ce qu'il méritait. Je voudrais savoir une chose. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez fait? Quand vous avez mis ce déchet humain à genoux? Achever un adversaire comme ça, c'est très excitant. C'est l'impression qu'on a eue. Vous ferez peut-être l'affaire, finalement. Quoi qu'il en soit, le décret de Gage signifie que le nouveau Grand Manitou, c'est vous. On ne peut qu'espérer que vous vous en sortiez mieux que le précédent. Je m'appelle Mags, et voici mon frère, William. Enchanté. Avec notre troisième larron, Lizzie, nous sommes les chefs du gang des opérateurs. Vous comprendrez rapidement que nous sommes le seul gang que vous avez intérêt à soutenir ici. Parce que nous sommes les seuls à voir cet endroit tel qu'il est vraiment. C'est un temple, érigé à la gloire de la seule chose qui compte réellement dans ce monde. Se faire de l'argent ? Exactement. Les capsules. Cet endroit a été construit dans le seul et unique but de plumer un maximum de pigeons. Nous n'avons rejoint la petite ménagerie de Gage et Coulter que pour ça, bien que nous ayons utilisé plus de méthodes de voyous que ses fondateurs l'espéraient. Mais au lieu de ça, Coulter nous a endormis pendant pas loin d'un an, pendant qu'il se la jouait grand seigneur au sommet de sa putain de montagne. Alors si c'est vous qui prenez les rênes, on veut être sûr que vous ferez ce qu'il faut pour rendre son but premier à cet endroit. Et qu'on va pouvoir se remettre à plumer les gens et à se faire des montagnes de capsules. Mon but, c'est de me faire un maximum de capsules. Putain, c'est pas trop tôt. Eh bien, j'ai hâte de voir ça mis en œuvre. Je vois que vous pouvez venir au salon quand vous en avez envie. Vous êtes ici chez vous. Et si ça vous tente de bosser pour nous, venez me trouver. Et sachez que nous attendrons tous impatiemment que cet endroit recommence à faire ce qu'il fait le mieux. Du blé. J'ai jamais compris pourquoi Coulter a amené trois gangs avec lui pour s'emparer de Nuka World. Il nous avait, nous. Il avait pas besoin des autres. Comprendre les opérateurs, c'est pas difficile. Nous, on sait comment vivre. Les autres gangs, ils savent plutôt mourir. À un moment ou un autre, on a tous rêvé de mettre une balle dans le dos à Coulter. Vous avez juste... Recento, j'ai fait toutes les fins. Là, je suis au dernier DLC, Nuka World. Enfin, dernier DLC où t'as de l'histoire, parce que t'as deux DLC où c'est... d'autres trucs, genre... T'as un DLC, c'est... T'as Automatron, donc ça c'est avec le mécaniste, je l'ai fait, j'ai eu tous les succès, sauf ceux qu'il faut récolter, mais j'irai plus tard. T'as Contraption, ou le Workshop, donc c'est... un truc pour créer des gadgets, donc j'ai pas encore regardé vu que c'est de la création. T'as Far Harbor, j'ai chopé tous les succès sauf les collectibles. T'as Voltec pour créer des abris. Et t'as Wasteland. Et pareil, c'est un workshop, c'est pour créer des trucs. Donc là, je fais Nuka World et je vais essayer de choper tous les succès. Puis après, bah. On va farmer les succès qui manquent. Il manque 30 succès là pour le plat sur 84. Ma fin préférée. C'était la reine, histoire de voir ce que je valais. Mais maintenant, ça sert à rien. Personne la confrérie de la Sion. Ouais. Pourquoi ? Parce que remplacer les humains par des machines, je trouve ça stupide. Essayer de sauver des machines au risque de se tuer soi-même, je trouve ça stupide. Donc, raser ceux qui sauvent les machines et les machines, c'est à m'aller. On se débarrasse des débiles. Parce qu'il y a un moment donné, on est là pour recréer l'espèce humaine, pas pour s'emmerder avec des robots qui nous imitent. On défonce tout. Et on les baise.
Voilà, juste pour ça. La survie de l'espèce, c'est tout. C'est pas facile de gérer une sorte. Ouais, les armes assistées, c'est cool aussi. Vous pouvez pas aller par là, Max. T'avais dit que vous n'avez pas le droit de les tuer. Dis-moi, t'as dû attendre longtemps pour venir me voir? Non, il y avait personne avant moi. Excellent. Et tu sais pourquoi? Parce que la plupart des gars pour se débrouiller sans venir m'emmerder avec les propres. Tu as pour trouver ta place ici? Non. Non. Ça va, je peux me débrouiller. Dans le cas contraire, on manque pas de collier d'enchaîner. Si vous voulez un truc, vous prenez cette huile. Je sais pas si vous êtes vraiment au niveau pour ce job. Je vous enverrai mon CV, ma lettre de motivation. C'est quoi ça, un CV? Laissez tomber, on s'en fout. Je m'appelle Mason. Je suis le mâle dominant de la meute. C'est notre territoire ici. Vous êtes peut-être le grand Manitou, pour l'instant, en tout cas. Mais moi, je suis le chef de la meute. Ça, ça changera jamais. Tant que vous oubliez pas ça, on va bien s'entendre. Je suis là pour me faire des capsules, pas des amis. On se respecte pas forcément les amis, mais tout le monde respecte les capsules. Écoutez, personne va regretter Colter, ça c'est clair. Je m'aperçois que son remplacement est différent. Mais Gage a dit que c'était son chef. Colter était un faible. Pourquoi est-ce que tout le monde l'a suivi? On se posait la même question. Pas se gourer. Colter était un grand manier. Enfin vrai, fallait pas le faire chier. Et c'était plutôt un pas petit mal. Peu, apparemment, ça buguait, je capte pas bien la maison. Ah, mais il y a un an, Colter a commencé à lâcher l'affaire. Il voulait consolider ce qu'on a. Faites gaffe, c'est pas ça, c'est juste qu'on en a. Il vaut mieux vivre ici que dans les bouges merdiques qu'on avait dehors, c'est sûr. C'était la fontaine de capsules qu'on nous avait promise un peu. Personne ne trouve son compte, même pas les disciples. Alors que normalement, quand ils ont du sang frais, ils sont contents. Ça commençait à partir en couille sérieusement quand Gage a calmé. Il nous a tous réunis et il nous a dit qu'il allait trouver quelqu'un pour s'occuper de Colter. Ouais, j'en doute pas, chef. J'ai compris. On a vraiment envie de faire une chance, chef. Bon, on va jouer carte sur table. Vous avez roulé pour la meute, oui, mais il paraît que vous avez parlé aux autres gangs. Soyez le bon chien-chien et faites tout ce que je vous dis, sinon je vous fais piquer. Ça m'étonnerait qu'il en arrive là. Encore une chose. Il y a toujours du travail ici. Regardez, si vous avez le temps de filer un coup de main, n'hésitez pas. La loyauté marche dans le même sens. J'y vois plus rien. Ah, c'est cool, ces connards de dog là. Dis, ça marche Destro, bonne game. La vie est trop courte pour s'emmerder avec des conneries. Faut s'éclater comme si c'était le dernier. C'est qui que cause de s'arrêter, putain, tu m'étonnes. Mason vous attendait. J'aurais bien aimé l'éclencher, ces putains de dogs de merde. Pas tout le temps aboyer, bordel de merde. BAM! C'est bon. Combien elle va faire de mètres carrés la baraque? 120? Sans compter la cave. La cave, elle doit en faire 20. C'est parti. Je m'ai pas fait de café. Je veux bien un café. Et je veux bien aussi ma bière. Et dans le frigo.
Non mais je vais la mettre moi-même. La cave, c'est pour les enfants passage, non? Non, non, c'est pour les connards avec une boîte d'affidoc. Le grand Manitou est de retour. Oh. Il a fait, ah le bâtard. C'est une vanne, c'est une vanne. Pas une boîte d'affidoc. Tu fais des Daffy Duck. Ok, sans moi. Salut. Je veux pas finir la cave. Tu veux le mec qui se bat. What? Salut les losers. Ouais. Du passage, mettez-moi la cave. Gage. Le grand Manitou est de retour. Au moins, vous êtes en un seul morceau. C'est bon signe. Comment vont nos psychopathes préférés? J'espère que vous leur avez pas fait trop de promesses. Je veux dire, c'est normal d'en rajouter un peu, c'est le jeu. Mais faut pas non plus que ça vous retombe sur la gueule au moment d'encaisser. Ils font ce qu'on leur dit, c'est tout ce qui compte. Ok, je vois le genre. Il est temps de passer aux choses sérieuses, chef. On a du taf. Cet endroit est immense. Il est séparé en zones. Je crois qu'ils appelaient ça des parcs ou je ne sais pas quoi à l'époque. Faut qu'on les prenne tous les uns après les autres. Chaque zone qu'on se met dans la poche... C'est marrant de jouer avec Daryl, ouais. ...et de ressources. On va conquérir le truc, on plante un petit drapeau pour un des gangs et c'est réglé. Ça leur appartient pour de bon. C'est à vous de décider qui va prendre quoi. Il y aura forcément un gang qui fera la fête pendant que les autres font la gueule. Vous savez comment ils sont. Je croyais que tout l'intérêt d'avoir des sous-fifres, c'était de leur faire faire le sale boulot. Ouais, ça viendra. D'abord, je vous rappelle que vous devez toujours prouver que vous êtes digne de nous diriger. Voilà le topo. Vous voyez, c'est pas compliqué. Prenez une minute pour vous reposer ou je ne sais pas quoi, et puis on s'y met sérieusement. Et puis, on est dans le même bateau. Si vous voulez que j'assure vos arrières, dites-le moi. Non merci, ça ira. Comme vous voudrez. Si vous changez d'avis, je serai dans le coin. Le charisme. Intelligence, charisme, ensuite agilité, ensuite force, ensuite endu, ensuite perception et enfin chance. Il y a très peu de chances que j'en arrive là. Tellement de blaireaux, si peu de temps. La grande visite! La zone galactique, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas de devant. Le bétail. C'est bon. Danard. Comme ta mère. Bon, attends. J'arrive, les gars. Laisse mon chat tranquille. Putain. Alors. La zone galactique. Bah du coup, faut que j'aille. Thank you.
Veux-tu un conseil? Oui, vas-y, conseille-moi bien. Les fleurs là. Wow, elles sont trop belles les fleurs. Mec. Vous avez vu comme elle est belle? Elle m'a beau. Salut Anafeya, comment ça va? Elles sont trop belles ces fleurs. Dès que je vais les voir, je vais les cueillir parce qu'elles sont trop belles. Il y en a plein. Si vous avez vendu fou chaque espace minute par minute, pourquoi des voitures, j'ai pas long, au nombre d'une trentaine. Des boîtiers? C'est quoi? C'est un. Il y a un truc où. Raconte un affaire, je crois que ça va quand même être incroyable. Ah ouais, c'est pour choper la les armures Nuka-Cola Cantu, mais Nuka-Cola je sais plus quoi là. Ah, la X01, je l'ai déjà. La X01, c'est celle de la pochette de Fallout 1 ou 2. Fallout 3. N'oubliez pas de réserver votre emplacement pour admirer le super feu d'artifice qui est du plus pétillant ce soir à 21h. Pardon, je fais un rototo de l'enfer. Arrête! Ouais, je l'ai déjà, mais je sais plus où je l'ai eu. Ah, c'est la meilleure armure du jeu, la X01. Ah, c'est ça qu'il disait alors dans les... La seule chose qui est mieux que la picole, c'est la baston. T'es pas d'accord? Oh, bah, faut que j'aille la chercher, je l'ai, hein. T'as besoin d'aide pour ouvrir, je suis là. Votre attention, s'il vous plaît. Les représentations de début d'après-midi du fantôme du New Club au salon sont complètes. Des places pour celles du soir sont toujours disponibles.
Ah oh bah la X01 je l'ai, faudrait que je la mette, juste que je la trouve un peu chum, du coup je dis bon, je vais mettre celle-là. En vrai je peux même aller chercher maintenant. Hein. En vrai est-ce que je peux me TP ici? Ouais, regarde on va y aller. Merde, c'était quoi ça? On l'a tué! Parce qu'il y a l'armure, la Nuka Cola Quantum, elle est incroyablement belle. Je vais te faire voir Sento, tu me dis si c'est celle-là. Bah mais... Elle est conne si elle te casse les couilles alors que t'as du taf. Qu'elle te saoule si t'es au chum du parce que tu dois venir nanana. Ok. Bon, bon. Encore qu'ils ont même pas à t'obliger de quoi que ce soit. C'est celle-là. Mais du coup la X01, je sais pas pourquoi j'ai pas la jambe gauche et le bras gauche. Peut-être que je les ai mis là-dedans. Ouais, bras gauche, jambe gauche. Ok, bah écoute, c'est ça, regarde, je fais. Parce que regarde, j'ai même elle. L'armure de Vim. Regarde, c'est ça, je fais ça. Je suis toujours content de voir le soleil se lever un jour de plus. Joli. Encaisser quelques bastos de plus avec ça. J'ai plus assez d'alu. C'est ça, tu veux dire le tiers?
Ah, faut monter scientifique et armurier. Bon, je le saurais du coup. Ok. Il me faut de l'alu du coup. Ah, c'est dommage parce que je l'ai pas complète de ce fait là. Ouais, c'est déjà fait péter les jambes. Oh. Il me faut de la lune. Belle journée pour une promenade. De l'alu. J'y pense, tu m'as envoyé un... Le grand spectacle d'Halloween de Nuka World commencera dès la semaine prochaine. Réservez vos places pour cet événement nocturne au guichet principal. C'est le même bruit que dans Skyrim quand tu ramasses une bouteille de d'hydromel. En cas d'urgence, veuillez rester calme. Obéir aux instructions de sécurité fournies par les employés de Nuka World. Merci à tous. De la lue, de la lue, de la lue, de la lue, de la lue. Comment on fait des Nuka Mix? Nuka Cola, un Nuka Cola. Confectionner. Ah ouais, toi t'étais un vampire.
Pour un loup-garou. Ouais, mais je dis ça parce que quand tu commences à j'ai désactivé. Quand tu t'approches de la garde de l'aube en général. C'est parce que quand tu rejoins la garde de l'aube en général, tu finis par te faire contaminer par un vampire et devenir un vampire. Donc c'est ça que je te pose la question. Ça va se passer. Si t'étais loup-garou, tu peux pas devenir vampire après. Techniquement. Bah en fait, normalement, non, tu peux pas parce que... Quand tu deviens un loup-garou... T'as un truc, t'as un effet actif qui t'empêche de choper des maladies. Du coup, tu peux pas choper la maladie des vampires. Votre attention, s'il vous plaît. Pour éviter la perte de membres, veuillez ne pas vous pencher sur la barrière du spectacle de Crococlarge. Merci. Est ravi d'annoncer qu'une petite part du coût de votre entrée sera reversée en soutien aux hommes et aux femmes qui se battent à l'étranger. Bah, tu vois, je savais pas. Moi, je pensais que tu pouvais pas devenir un vampire si t'étais loup-garou. Mais je savais pas que du coup, tu pouvais passer. Ok. Bah, en sachant, du coup. Et voilà, pour une fois, je me suis fait un mage. J'avais jamais joué mage, en fait. Je fais une petite partie pour plate le jeu de base off-stream, le soir et tout. Votre attention, s'il vous plaît. Ça. Le dernier train en partance pour le centre de transit de Nuka World quittera le parc à 23h55 précisément. Merci et à tous. Du coup, je disais, ouais, je...
je veux garder vampire. Parce que quand t'es aspect magie, il devient juste trop fort en fait pour vampire. Et du coup, je voulais monter loup-garou avant et après devenir un vampire. Sauf que sur le net, ils disent ouais, je peux pas, nanana, du coup, je n'osais pas faire la garde de l'homme parce que j'avais peur de me briller, tu vois. En sachant ça, tu vois, bah, je vais monter loup-garou au max, tu vois, dans les niveaux. Comme ça, je débloque le succès. Et puis après, je ferai les quêtes de la garde de l'homme. Et je monterai... Aïe. Approche plus un geste. Vampire. Ah ouais. Ah d'accord, bah tu vois, je savais pas, c'est cool que tu me... Je te remercie pour l'info en vrai, parce que putain, j'étais blasé de pas pouvoir rejoindre les loups-garous, les vampires alors que j'avais fait un mage, mais du coup, bah je vais faire ça. Merci beaucoup en vrai. Ça pue que sa mère. Bon, je vais me tenter comme ça, puis si ça marche pas, je dirais que t'es un connard. Ça me paraît legit. Ouais, mais en vrai, quand t'es... Je t'assure, hein, jouer mage au début, je disais... Ouais, mage, c'est de la merde. Tu te fais rect en 2 secondes. Tu finis l'académie des mages. Tu chopes... comment dire, tu chopes le plastron d'archimage, la robe d'archimage, le masque de mini quête là que tu chopes à la toute dernière quête de l'académie des mages. Mec, t'es un monstre. Je suis niveau 15, je recte tout. Je me prends pour Palpatine là. C'est un délire. Franchement, c'est un délire. Là, je fais wow, les pétés que je mets, mon gars.
Non, je suis pas quelqu'un de méchant gratuitement. J'aime pas la méchanceté. Oh, ils ont une Kalachnikov, les ouf. En vrai, celui-là, il est mieux. Oh, ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est un des meilleurs traits que j'ai dû débloquer, sérieuse. Le truc, c'est quand tu mets des mods sur Skyrim, tu peux pas faire les succès. Dernier cri! Fiscal, protocole de défense activé.
Là, je joue avec un pistolet à plasma. Gamma, c'est ceux-là. Ça, c'est de la merde. Et à présent, le combat que vous attendez tous, ce qui se fait de mieux en technique robotique pointe, elle est unique. La sentinelle de l'espace de Rocco. Oh la putain. Alors oh, ça par contre. Là, je m'enlève une sacrée épine du pied. Tranquille. Quel combat! Nous espérons que le spectacle vous a plu. Veuillez vous diriger vers les sorties à l'étage inférieur. N'oubliez pas de vous arrêter à la boutique Robco pour repartir avec un souvenir du combat. Merci de votre visite dans la Battle Zone Robco. Oh, ça, ça fait mal. Ouais, moi j'ai joué ça dans quasiment toutes mes games, Vado. Mais là, je voulais essayer autre chose. En fait, si vous préférez, Skyrim, c'est littéralement, je pense, on va se dire, mon jeu préféré, ok? Moi, l'objectif de Skyrim, c'est de plate tous les Skyrim disponibles sur PC et Steam. C'est-à-dire qu'il y a Skyrim Classic, Skyrim Anniversary Edition et Skyrim VR. D'accord? Dans Skyrim Classic, je fais un... Je fais un mage parce qu'en fait, la première fois que j'ai fait Skyrim, c'était sur Xbox et j'avais fait un assassin voleur. Enfin, un archer assassin. Et comment dire? Ensuite, quand j'ai repris le jeu, je me suis dit, vas-y, je prends l'Anniversary Edition. Du coup, j'ai eu. J'ai refait une game à archer assassin. Et j'ai eu Skyrim normal. De base en cadeau, donc j'ai fait mon match dessus et j'ai acheté Skyrim en vert. Et Skyrim en vert, je ferai un guerrier. Pour ça, j'aurais fait les trois classes en fait. Et je parle pas des sous-classes, bien sûr. Je reviens, je vais faire un pissou, les gars. Je me dépêche. Et Dark and Darker, c'est bientôt, non? C'est quand?
Et je suis là, les gars. Pas de pizza frite ou lasagne. Pas de pizza. Petite lasagne. Petite lasagne, c'est cool. Les légumes. Oh, c'est une pils. Faut pas les pâtes, enfin les lasagnes peut-être. C'est pas comment je vais, vas-y, lasagne mec, c'est bon les lasagnes. Tu veux échanger des trucs ?
Pas mal les lasagnes. Arrête, c'est parce que t'as proposé plusieurs trucs. Moi, je t'ai dit ce qui me venait. Mais... Je vais faire autre chose. Fais-toi donc autre chose, mon enfant. On m'a demandé de rendre service. J'ai rendu service, monsieur. Ma femme et ma mère font des bonnes lasagnes aussi, moi. Et pourtant ils le font absolument pas de la même manière, ça me fume. Ma mère fait super bien à manger. Ma femme elle se débrouille bien aussi. Hein. C'est content. Et moi j'adore faire à bouffer et je fais super bien à manger aussi. Et c'est juste que bah, là avec mes heures de stream je fais plus à bouffer parce que je stream pendant ces heures là. Mais vu que je compte repasser un peu plus de jours... dans l'avenir, on va dire. Je pense que ouais. Je vais pas mal me faire un kiff à faire un graille à la maison le soir. Oh, une moule de... Oh putain, bâtard, une moule de 1 kg. Oh, ça doit être dégueulasse. Ceux qui bouffent des moules immenses. Oh. J'aime bien les moules du bouchot, les petites. Là. Ça, moule frites, sauce maroilles, sauce roquefort, ou à la normande, ou au beurre à l'ail. En fait, de toute façon, les moules avec des frites, la sauce, je m'en tape. Mais genre, je vais les tabasser, ça c'est sûr. Je kiffe ça. Souvenez-vous de présenter le talon de votre ticket d'admission au parc pour bénéficier de 50% de réduction sur votre commande de Nuka Frites au Café de Capi. Reste bien à côté d'eux, hein. Surtout on sait jamais. Ouais, sort, ouais. Votre attention, s'il vous plaît. Nous sommes heureux d'annoncer que les montagnes russes de la ligne de Molika de Saint-Clé ont rouvert avec des normes de sécurité renforcées suite à la tragédie de l'année dernière. Astronaute, votre attention. La Terre est attaquée et vous êtes votre seule chance de survie. Les vaisseaux sont en cours d'embarquement dans la Nuka Galaxy.
votre attention, s'il vous plaît. La représentation de Cathy Poppins commencera dans environ 15 minutes. Préparez-vous à découvrir la vie au-delà de la Terre dans Parmi les étoiles. L'exposition a été généreusement sponsorisée par Voltech Corporation. Attention, s'il vous plaît. Les représentations de début d'après-midi du Fantôme du Car au Salon sont complètes. Des places pour celles du soir sont toujours disponibles. Moi, j'aime bien ce délire de... En cas de nausée, des sacs sont disponibles pour nos visiteurs les plus sensibles à l'entrée du carrousel. Il tourne autour d'une marque, je trouve ça super drôle, moi. Tu l'as kiffé toi, celle-là, peut-être ?
5 est attaqué. Je répète, la colonie de Cola 5 est attaquée. Passage en alerte. Plusieurs agresseurs ont été confirmés. À tous les pilotes, rendez-vous à votre vaisseau et tenez-vous prêts au décollage. Attaque la colonie. Quelqu'un nous suit. Attends, t'as entendu? Ça va chier! C'est moi qui récupère le matos! Cola 5 est attaqué. Je répète, la colonie de Cola 5 est attaquée. Arrête de jouer à cache-cache! Sans ce rôle. À tous les pilotes. Mission de combat. Rendez-vous à votre vaisseau et tenez-vous prêts. Restez avec moi et à nous la galaxie. Profitez-en pour vous rapprocher avec Miroton à Colonie à Nuka-Cola. Nos Mister Andy vont circuler parmi vous afin de prendre vos commandes. La colonie, Cola 5 est attaquée. Début de la montée. Je réponds. Préparez-vous à partir à l'aventure dans la Nuka Galaxie. Plusieurs agresseurs ont été coupés. La galaxie. Le délai d'attente actuel est de 10h43. C'est tout ce que tu sais faire. Un vaisseau. Profitez-en pour vous rafraîchir en sirotant un délicieux Nuka-Cola. Nos Mister Andy vont circuler parmi vous afin de prendre vos commandes. Restez avec moi et à nous la galaxie. À nous la galaxie. On dirait que nous avons une colonie à défendre. En avant. Fin de l'alerte. Le hangar de lancement se trouve juste devant. À vos vaisseaux. Cadet, je suis Nuka Girl, un de nos as. Prêt pour votre première mission de combat? Restez avec moi et à nous la galaxie. 3, 4, 5, décollage autorisé. Passage en alerte rouge. Déployez tout le temps. Voilà, son enfant dans l'embarquement. Par ici. Ça marche. Hey. J'espère que ça en vaut la peine. C'est le moment que je préfère dans ce boulot. Veillez à ce que tous vos objets soient bien attachés avant d'embarquer. L'individu. Un rapport signalé est important. Ils ne tiendront pas longtemps.
Escadrille 3, 4 et 5, décollage autorisé. Vaisseau poursuite. Sa capture est désormais de la compétence des forces de l'ordre. Le coordinateur de vol vous dirigera vers votre Nuka chasseur. Vaisseau.
stressée, je peux attendre toute la journée. Des trucs sympas. Yeah.
Oh putain. Le bordel. Oui. Les. C'est insupportable ce bruit là. C'est ce qui me semblait. Les rapports nous signalent des frappes orbitales. Ils ne tiendront pas longtemps. Escadrille 3, 4 et 5, décollage autorisé. Nuka Cola Quartz. C'est dégueulasse ici. Un flingue chargé et des capsules plein les poches. Ça, c'est la grande. Déployez tous les chasseurs. Attaque la colonie. Passage en alerte rouge. Déployez tous les chasseurs. Des forces ennemies attaquent la colonie. Je veux retourner là-dedans. Je
pourront pas tout. Passage en alerte rouge. Déployez tous les chasseurs. Restez avec moi. Et à nous, la galaxie. Plusieurs agresseurs ont été confirmés. Des forces ennemies attaquent la colonie. À tous les pilotes, rendez-vous à vos vaisseaux.